c'est le code impérial. Ça me donne des frissons. Zénith est discrètement parti s'occuper de la sécurité. J'imagine qu'il sait quoi faire avec un système de sécurité impérial. À plus tard. Attendez, Jedi. Le système de sécurité est tenace. C'est bon. Je vais regarder s'il y en a d'autres. Terminé. L'armurerie est sécurisée. Mais ils ont fermé les portes de la salle de contrôle des armes. On essaie d'y accéder. Je ne veux pas nous porter la poisse, mais je m'attendais à plus de résistance que ça. Un combat plus dur nous attend peut-être. Terminé. Bienvenue, Maître Jedi. Tous les paramètres sont réunis. Je peux enfin vous présenter mon œuvre. Ton officier de commandement se cache quelque part ? Conformément à la procédure habituelle, toutes les personnes au grade supérieur à celui de lieutenant ont été évacuées. Conformément au règlement, j'ai placé des charges de détonite dans tout le vaisseau. Ces charges sont suffisantes pour détruire le javelot, ses occupants et les vaisseaux voisins. Veuillez m'excuser pour la gêne occasionnée. Uh-oh. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Wars The Old Republic. Oh. Je t'avais confoncé dans un piège. Aïe, 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 aïe. Ces renforts étaient un appât. L'Empire voulait la mort de notre alliance. Laissez-moi vous donner un bref aperçu du génie de mon travail. J'ai placé plusieurs charges de détonite à des endroits mathématiquement précis. Tous les vaisseaux impériaux ont reçu le signal de se retirer. Le compte à rebours a commencé. Alors on a foncé tête baissée dans un piège. D'après mes calculs, même si vous désactivez des dizaines de ces charges, la destruction du javelot est inéluctable. Mais si on en désactive suffisamment, l'explosion sera trop faible pour détruire nos vaisseaux. Vous pouvez essayer, mais j'ai placé les charges selon un schéma infaillible. Il y a des charges sur tous les systèmes de refroidissement principaux, pour assurer une destruction complète. Je vais communiquer l'emplacement des bombes à tout le monde. Toi et moi, on va s'occuper des charges qui sont à proximité. Et fais confiance aux autres, ils trouveront les autres bombes à temps. C'est dommage que mon œuvre doive bientôt se transformer en vapeur surchauffée. Mais telle est la nature du travail de démolition. Bonne journée. Et d'une. Et de deux. Alerte. Système de refroidissement activé. Défaillance de l'intégrité structurelle catastrophique en cours. Destruction du javelot imminente. Veuillez évacuer immédiatement. Je répète, évacuation immédiate. Jedi, vous me recevez ? On évacue les stations tactiques. Tout clignote. Que se passe-t-il ? Auguste voit au rapport. Un de vos vaisseaux a-t-il été pris dans l'explosion ? Mais pas d'adresse, parce qu'il y a Tanelvines for Krustinti. Attention à cette gaine. Cette zone est trop dangereuse. On rejoint le vaisseau. Non, attendez. Kalasna, prenez la suite des opérations. Je ne peux pas partir tout de suite. Les membres de l'équipage impérial essaient d'effacer ces stations tactiques. Elles renferment peut-être des plans de bataille. Je dois les télécharger. Si vous le faites, est-ce que vous aurez le temps d'évacuer ? J'en doute fort. On dirait que le pont est sur le point de s'effondrer. Les capsules. J'ai vu une rangée de capsules de sauvetage sur ce pont. Je pourrais rejoindre la surface de Corellia. Alors faites-le. Cachez-vous. On viendra vous chercher. Bien reçu. Soyez prudents. Soyez prudents. On se retrouvera sur Corellia. Terminé. Oria, Hafner, Farjet, Zinies, Jur, Drukal, Jasbro, Lihidan, Naka, Miest, Hija. Odor, Tidja, Skocha, Radmars, Osla. Si on veut retrouver Félix,
On ne peut pas rester ici à discuter. Estavolab meg mindig uge. Oze desazos. Homaleban. On pense que la capsule a été prise dans un système d'atterrissage automatique du chantier naval de Coronet City. Elle doit s'y trouver, quelque part. Direction Corellia, pour chercher et faire la guerre. Mon propre peuple. Je ne peux même pas faire confiance à mon peuple. Il s'est passé quelque chose avec vos supporters politiques ? Ces réfugiés balmoréens. Je voulais les ramener chez eux. J'avais déjà organisé notre rencontre sur Alderaan. Et puis j'ai déchiffré d'autres entrées des journaux de Soleil Gris. J'ai découvert pourquoi ils ne voulaient pas que je les lise. Les journaux indiquent que ces réfugiés étaient en contact avec les officiers impériaux locaux. Ils négociaient de la nourriture, des médicaments, leur protection. Les réfugiés étaient seuls et sans défense. Je pense qu'ils n'ont pas eu le choix. Ce n'est pas une raison! Les impériaux devaient être prêts à offrir n'importe quoi pour obtenir des renseignements sur Balmora. Combien de réfugiés ont cédé? Combien d'entre eux ont donné des informations et ont fait tuer mon peuple? Soleil Gris n'a rien fait pour l'empêcher. Mais il savait que je riposterais. Alors il me l'a caché. De toute évidence, Soleil Gris ne voulait pas que ces gens soient punis pour ce qu'ils ont fait. Il était trop confiant. Ils ont collaboré. Et ceux qui collaborent meurent. Ou finissent leur vie en prison. J'avais déjà prévu de rencontrer les chefs des réfugiés. Pour les aider à rentrer chez eux. Mais finalement, ils vont partir enchaînés pour avoir comploté avec l'ennemi. Si j'arrête les coupables, j'apporte la preuve de mon dévouement pour Balmora. Vous êtes un Balmoréen, comme eux. Vous devez servir votre peuple, comme bon vous semble. Affaire réglée. Il faut que j'organise leur arrestation. Que je m'assure que des soldats seront là pour les accueillir. Excusez-moi. Tu voulais me parler, Kaizen ? Pas si vous continuez à me traiter de pommole. Je me souviens de ce que ça veut dire, vous savez. Kaizen dit que vous êtes un messager. Je trouve que vous ressemblez plus à un Jedi. À en croire Kaizen, je suis le messager de la gardienne des points. C'est une longue histoire. En ce qui concerne les surnoms, je préfère quand c'est plus... plus accrocheur. Chasse. Vous savez, si vous chassiez les escrocs au lieu de chasser des animaux, vous seriez connu dans toute la galaxie. Ok, j'ai un Veneb Drask, Trandoshan, ancien chasseur de primes, a pris sa retraite. C'est lui ? Entre chasser pour l'argent et vendre des informations, il n'y a qu'un petit pas à franchir. C'est peut-être l'homme qu'on cherche. Après avoir pris sa retraite, ce Veneb est devenu un chef de clan Trandoshan puissant, et puis il a rapidement gravi les échelons. Ah, il a gravi les échelons après la disparition mystérieuse de beaucoup de ses rivaux. En général à la chasse. Intéressant, non ? Veneb repérait les Trandoshan en plein Shkoyagu, ceux qui menaçaient son pouvoir. Et disait à Gwaror qui tuer. C'est tout ce que j'ai sur ce Veneb. Mais ça devrait vous suffire pour le trouver. Alors, Kaizen, on est quitte maintenant, n'est-ce pas ? Tu me demanderas plus rien ? Vous nous avez beaucoup aidés. Je pense qu'on peut dire que c'est réglé. Hey, ne jouez pas les tendres. Je vous aime comme vous êtes. À la prochaine, Kaizen. Prenez soin de vous et de votre messager. Pourquoi le porte-parole du clan est-il aussi important ? Mmh.
Si la gardienne des points voit le cœur de Veneb, elle doit aussi voir le tien. Elle comprend que tu ne peux pas le laisser échapper au jugement. Quoi? Oh, veuillez m'excuser, Jedi. Les dernières pièces du générateur Vandreg doivent être exposées de façon très précise au noyau du vaisseau. Je reviens tout de suite. Jedi, je peux vous parler quelques instants? C'est au sujet de Taran. Il y a quelque chose qui cloche chez lui. Taran travaille très dur pour le symposium. Il ne parle que de ça. C'est si rare pour lui d'avoir un vrai défi à relever. Je crois qu'il a du mal à gérer la situation. Je vous en prie, il vous écoute, vous. Vous pouvez faire quelque chose? Je veillerai sur Taran et j'interviendrai si besoin est. Oh, merci. Vous êtes un très cher ami. Aussi bien pour mon Taran que pour moi. Holiday, Taran vous a-t-il programmé pour tomber amoureuse de lui ou votre amour est-il spontané? Dites-moi, pour quelle raison les vrais gens tombent-ils amoureux? Je ne peux pas répondre à cette question. Je ressens les choses avec un logiciel, mais mes sentiments ne se limitent pas à ça. Tout comme les vôtres ne se limitent pas à une réaction chimique. J'aime Taran. Peu importe d'où vient ce sentiment. Pour moi, c'est la même chose. Juste à temps. Quelques minutes de plus et l'irradiation aurait été trop intense. Taran, chérie, et si tu faisais une pause avec moi? Hein? Pas le temps. Navré et Jedi, on se parlera plus tard. J'ai enfin terminé le générateur Vandreg. Je dois reconnaître que c'est mon plus grand chef-d'œuvre. Taran, je suis si fière de toi. Je crois que je vais pleurer. Vous avez bien travaillé, mais vous devriez vous asseoir quelques minutes. J'aurai tout le temps de me reposer plus tard. Le symposium du Club Luminatus ne dure qu'une journée. Je dois préparer le générateur en vue de son transport. Son noyau doit être parfaitement protégé. Vous voyez, le noyau est très sensible au système électronique à proximité. Ces processus pourraient... Les processus du noyau pourraient quoi? Jedi, je ne suis qu'un imbécile. Le noyau de mon générateur Vandreg pourrait servir un but que je n'avais jamais envisagé, pour Holiday. En connectant le noyau au processeur central de Holiday, je pourrais multiplier ses capacités par 10, voire plus. En quoi Holiday changerait-elle si vous lui donniez ce noyau? Elle surpasserait la plupart des limitations techniques qui lui restent. Ses capacités pour le piratage seraient décuplées et sa personnalité évoluerait. Mais sans noyau, mon générateur Vandreg serait inutile. Je n'aurais alors aucune chance de remporter le symposium. Il s'agit de votre avenir. Vous avez votre mot à dire. Mais Taran est troublé. Je veux juste son bonheur. Il est trop tard. De toute façon, le symposium va bientôt commencer. Tout le Club Luminatus m'attend. Je dois y aller. À plus tard. Eh bien, j'ai fait une entrée fracassante dans l'histoire de la science, en me ridiculisant. J'étais là, sur l'estrade, face à des confrères pendus à la moindre de mes paroles. Je n'avais plus qu'à allumer le générateur Vandreg. Mais je n'ai pas pu. J'ai vu Holiday et... je n'ai pas pu. J'ai essayé de m'expliquer, mais les huées m'ont fait quitter les lieux. Vous êtes plus brillant que tous ces scientifiques réunis. C'est gentil à vous. Bon, Holiday, je crois que le noyau est prêt. On peut commencer l'installation. Taran, j'ai peur. Et si jamais ça me changeait? Et si jamais je ne t'aimais plus? Holiday, je ne suis qu'un pantin qui danse dans ton ombre. Que tu m'aimes ou non, je serai toujours à toi. Taran, fais-le maintenant, avant que je change d'avis. Réinitialisation des piles 2 et 3.
Transfert. Vous m'entendez? Est-ce que tout va bien? Holiday, dis-moi quelque chose. Comme c'est gênant. Ce noyau est drôlement puissant. Vous sentez une différence avec le noyau? J'ai plus d'espace. On dirait des pièces gigantesques qui ne demandent qu'à être remplies. C'est excitant. Ça prendra du temps pour que la mise à jour soit entièrement déployée. Les systèmes de Holiday sont très complexes. Mais sa personnalité et ses capacités vont se développer de façon exponentielle. J'espère qu'on arrivera à la suivre. La famille royale a contacté le vaisseau. Elle a demandé à me parler à moi. Vous imaginez? Ils veulent que je sois leur nouvelle représentante. Visiblement, l'ombre de père plane toujours sur moi. Mais je leur ai fait part de mes plans et je gagnerai leur respect. Cette expérience a été très bénéfique pour vous. Ça m'a éclairci les idées. Et puis marcher sur les traces de père me fait aussi du bien. Je veux profiter de cette chance. Mon peuple pourrait beaucoup apprendre de la République, notamment des Jedi. Nous n'avons jamais eu l'occasion de parler de votre planète. Il n'y a presque que des forêts. Il faut des années pour tracer des routes à cause des épines et des animaux sauvages. Notre technologie de défense se concentre donc sur la protection des villes. Les champs magnétiques illuminent tout la nuit. J'aimerais vous le montrer un jour. Je n'aurais pas peur à vos côtés. Je pensais à tous les endroits que nous avons vus. J'ai bien aimé Kesh, hormis tous ces impériaux dans la station de recherche. Et avant, il y avait eu le bravoure. Il y a tant de violence dans la galaxie. Comment faites-vous pour supporter ça? Les Jedi font abstraction du chaos passager pour se concentrer sur le but à atteindre. Autrement dit, l'harmonie de la galaxie. C'est très noble. Je vous connais depuis... combien de temps maintenant? Je pensais vous avoir cerné, mais j'ai l'impression de mieux vous comprendre maintenant. Je vous vois différemment. Je ne veux pas que vous ayez une mauvaise opinion de moi. Non, je vous aime encore plus. Enfin... je vous aime bien. Je sais maintenant les choix que vous devez faire. Ça a dû être très dur pour vous aussi. Mais au moins, on est là l'un pour l'autre. Enfin, comme alliés. La situation est stable sur ma planète. Pour le moment, du moins. Je vais donc pouvoir me concentrer sur ma formation de Padawan. Bon, j'ai lu les textes que le Conseil m'a envoyés. Mais je ne comprends toujours pas ce que fait un Padawan. Il commence par faire le ménage. Un Padawan affine ses aptitudes au combat et à la méditation. Il apprend la modération et s'ouvre à la connaissance de toutes les cultures. Alors, que dois-je apprendre en premier, maître? Un Jedi est toujours patient. Vos actions mettront peut-être des années, voire des décennies à porter leurs fruits. Mais il faut l'accepter. J'essaie, mais c'est reculer pour mieux sauter. Je ne fais que remettre l'explosion à plus tard. Je devrais peut-être étudier autre chose. Demandez au conseil méditation sur le voyage d'un Padawan, de Maître Alaka. Un autre point de vue pourrait vous aider. Merci. Je ne suis pas lente, mais tout est si nouveau pour moi. Vous avez vos études, mais aussi vos responsabilités envers votre planète. Ce sont deux fardeaux bien lourds à porter. Ne vous inquiétez pas, j'y arriverai. Je veux être un bon Padawan. Quoi que vous ayez à m'enseigner, je veux l'apprendre. Oh, bien, j'espérais que vous auriez un peu de temps. J'ai essayé d'étudier, mais le docteur Cedrax ne cesse de venir me parler. Il me propose une leçon d'astronomie. Apparemment, il a fabriqué son propre télescope. C'est quelqu'un de charmant. On dirait que votre professeur vous plaît. Le docteur Cedrax? Non, ce n'est pas mon... il n'est pas comme vous. J'aime bien discuter avec le docteur Cedrax, mais seulement parce qu'il s'intéresse à tout. C'est comme discuter avec père. Ça ne pose pas de problème, n'est-ce pas? Que nous soyons amis. Vous êtes libre de choisir vos amis? Je sais, mais je voulais quand même vous demander parce que... enfin... voilà. Vous êtes plus qu'un maître pour moi. Mais vous le savez déjà, n'est-ce pas?
C'est très gentil, Nadia, mais... c'est impossible. Je suis navré. Non, non, je comprends. Vraiment. Ami, alors? Ou padawan et maître? Ce qui vous convient le mieux? Je voulais vous prévenir. Je risque de ne pas pouvoir m'entraîner pendant quelque temps. Un problème est survenu. Un vrai casse-tête. Tout problème doit être considéré comme une opportunité de grandir. Une guilde veut construire un nouveau spatioport sur ma planète. On me demande d'adresser une pétition au Sénat pour obtenir l'aide de la République. L'ennui, c'est que la guilde veut détruire l'annexe de Kespan pour y construire le nouveau spatioport. L'annexe est notre plus vieille ruine. Honnêtement, elle est en mauvais état et dangereuse, mais c'est un lieu sacré. Cette annexe, c'est une sorte de temple ? Elle a été érigée à la mémoire de Gavel Kespan. Il est mort en défendant la capitale pendant le siège des vagabonds. Déblayer un autre site prendrait des mois. Les forêts autour de la capitale sont trop dangereuses. On a besoin de ce spatioport. Mais l'annexe est si ancienne. Que feriez-vous, vous ? Un padawan doit se fier à ses instincts. Que disent les vôtres ? Que je ne devrais pas laisser mes sentiments m'influencer. Nous avons besoin du commerce. L'annexe a fait son temps. Eh bien, je me sens mieux maintenant. Merci d'en avoir parlé avec moi. Vous auriez une minute ? Vous savez cette pierre avec laquelle je m'exerçais en lévitation ? Elle a, comme qui dirait, explosé. Ça va ? Ah non, tout va bien. Je n'ai rien. Le plus drôle, c'est que j'ai réussi à maintenir les morceaux en position quelques instants avant qu'ils ne volent dans tous les sens. Je m'améliore. Bref, si vous vous demandiez d'où venait toute cette poussière dans le couloir, eh bien, voilà. Je ne pensais pas que les impériaux iraient aussi loin. Pas dans les mondes du noyau, pas sur Corellia. Les informations de Maître Sio sur la situation sur Corellia ne sont pas bonnes. Des trahisons, une invasion impériale, une résistance mise à mal. J'ai vu tout ça chez moi. Quelqu'un sur Corellia nous a-t-il trahis ? Apparemment, l'Empire a fait une offre au gouvernement transfuge de Corellia. J'ai de bonnes nouvelles. Maître Sio a terminé le travail sur les bastions de garde avant que l'invasion commence. J'aurais dû deviner que Maître Sio prendrait des dispositions. Les bastions de garde sont des bâtiments qu'on trouve partout dans Coronet City, la capitale de Corellia. Des usines, des bunkers, des dépôts de munitions, tout ce qu'il faut pour conquérir une ville. Maître Sio a fortifié chacun de ces bâtiments avec des défenses spéciales et leur a donné le nom de bastions de garde. Grâce aux bastions de garde, on dispose de plusieurs forteresses imprenables à partir desquelles on pourra toujours reprendre Coronet City, même si elles tombent aux mains de l'Empire. Grâce à ces bastions de garde et au fait que nos ressources militaires sont à l'abri, on peut se concentrer sur l'attaque. Vous avez tout compris. À cause de la protection de ces bastions de garde, la République manque d'hommes. Et c'est là que nos armées entrent en jeu. Le chantier naval de Coronet City est immense. Je ne trouverai pas la capsule de sauvetage sans aide. Je répète, ici le capitaine Drizan. J'appelle tous les renforts à proximité du chantier naval de Coronet. Les impériaux ont envahi la zone 12. Je demande une aide d'urgence. On pourrait fouiller le chantier tout en le défendant. Dites au capitaine Drizan qu'on arrive. Les droïdes de thé. Les Ishka, le commando, tout le monde débarque. C'est maintenant qu'on va voir s'ils sont assez nombreux pour sauver la République. Capitaine Drizan, mes alliés ont dû vous contacter. J'ai besoin de vous pour localiser une capsule de sauvetage. Hein ? Je croyais que c'était un canular. Quill, regarde, on nous a vraiment envoyé un maître Jedi. Je vous présente Quill. Elle et d'autres Céloniens nous aident à combattre les impériaux. Votre capsule de sauvetage se trouve dans une zone très dangereuse. Je peux savoir ce qui s'est passé ? L'Empire a bombardé le chantier et le spatioport, puis a envoyé des troupes. On ne peut même plus effectuer de mission de reconnaissance. Les impériaux ont des patrouilles de droïdes. Dès qu'on sort, ils nous suivent jusqu'à nos bases.
et font un vrai massacre. On est coincé. Votre capsule est importante, mais je ne peux envoyer personne la chercher. Pas avec ces droïdes. Suivant leur nombre, je peux peut-être m'en occuper. Il en arrive avec chaque transport de troupes. Vos éclaireurs pourraient quand même être en danger. Ok, occupez-vous des droïdes et on se charge de votre capsule. On devrait l'avoir localisée à votre retour. Et de 1. Ah, il reprend de la vie, salaud. Et de 2. Et de 3. Hop là, retourne voir le capitaine. Bien joué. Les patrouilles sont suffisamment espacées pour nous permettre de passer. Mais elles restent assez proches pour que l'Empire ne voit pas les failles. Votre appel de détresse disait que cette zone avait été envahie. La zone 12 est un chantier privé qui constitue une position défensive de choix. Vous allez devoir vous battre. Je vous souhaite de retrouver votre partenaire. Je sais que votre mission est urgente, mais vous pourriez nous rendre service? Que voulez-vous, au juste? On a réussi à convertir deux tours de communication en armes anti-aériennes, mais l'Empire s'en est emparé. Mais un code permet de les verrouiller sur des cibles impériales. Il vous suffit de le saisir aux deux tours et on récupérera nos armes. J'y arriverai, quoi qu'il en coûte. Nous ne pouvons vous demander d'interrompre votre mission, mais votre aide sera la bienvenue. C'est très généreux à vous, Quill. Préparez-vous avant d'approcher de la zone 12. On a besoin de vous vivants. Hop, réactivé. Et de 2. Prenez le temps de vous remettre. Laissez-moi juste savourer ce ciel magnifique. Navré pour l'attente. On est venu le plus vite possible. Tenez, la base de données tactique complète d'un cuirassé impérial, intacte. Il faut immédiatement transmettre ces données au commandement de la République et au Conseil Jedi. Pas tout de suite. Un des fichiers a été endommagé, volontairement peut-être. Il faudrait que Holiday le répare avant qu'on le transmette. Vous connaissez un endroit sûr où réparer ce fichier? L'audio est endommagé, mais j'ai entendu... Je pense que c'est lié au Premier Fils. Il y a un abri de la Résistance non loin d'ici. Si ça concerne le Premier Fils, il faut immédiatement consulter ce fichier. Je ne suis pas sûr de pouvoir suivre. J'ai été pas mal amoché. Le moment est peut-être bien choisi pour vous présenter nos nouveaux alliés. Ne prenez pas le risque d'aggraver son état en allant trop vite. Encore des endroits sombres et clos. J'espère que j'aurai le droit à du colto à l'arrivée. On se voit à l'abri. Ah, vous voilà. Les Céloniens ont ramené votre partenaire tout à l'heure. Le capitaine m'a rafistolé. Heureusement que ces capsules de sauvetage sont solides. Ce fichier pourrait nous aider à appréhender un des cerveaux de cette guerre. Oh. Wow. Si vous avez besoin de notre holo-émetteur pour le consulter, allez-y. Oh, ils ne sont pas allés de ma morte en endommageant le fichier. S'il renferme quoi que ce soit sur le Premier Fils, je vais avoir du mal à le trouver. Oh, les archives Jedi. C'est la spécialité de restaurer de vieux fichiers, non? En y connectant, je pourrais réparer les fichiers en un rien de temps.
Seul le Conseil Jedi est en mesure d'autoriser l'accès aux archives. J'envoie une demande au Conseil Jedi immédiatement. Ah, tu es ça, Issouf. Nos informations sur les affrontements sur Corellia sont alarmantes. En effet, nous avons les bastions de garde à gérer, des troupes à organiser, et tu veux accéder aux archives Jedi ? Maintenant ? Ce fichier est directement lié aux enfants de l'Empereur et à leur chef. Dans ce cas, tu peux y accéder librement. Restauration en cours. Terminé. Le fichier. Et... Oh, Jedi, il faut que vous voyez ça, tout de suite. Trop risqué. Mes supérieurs sont persuadés que l'Empire oubliera sa dette. Les enfants de l'Empereur tiendront parole. Une fois la République vaincue, je veillerai à ce que le gouvernement de Corellia soit récompensé pour son... Cette barbe. Oh putain. Jamais entendu parler d'un premier fils. Qui nous dit que vous êtes aussi puissant que vous le prétendez? C'est le maître Jedi. Mais nous nous sommes déjà rentrés. Sur Coruscant, vous doutez toujours de mes capacités. Je n'en crois pas mes yeux. Qu'avons-nous fait? Contactons Sio, vite. Vous êtes là. Vos forces sont arrivées. Les bastions de garde tiennent bon. Le combat peut encore tourner en notre faveur. En notre faveur? Vous voulez dire en faveur de l'Empereur? N'est-il pas votre véritable maître? Premier fils? Donnons-lui une chance de s'expliquer. Sio, je vous en prie. Dites-moi que c'est faux. Je crains que ce ne soit pas possible pour lui. Le moment est venu pour Sio de se taire et d'observer. Le destin m'a joué un tour. J'espérais avoir plus de temps, mais il faut s'adapter ou mourir. Libérez Sio Bakarn, immédiatement. Tu ne peux plus l'attendre, Jedi. Il a pris la place que j'étais contraint d'occuper. Vous m'avez gentiment confié les bastions de garde, et à mon tour, je les ai confiés à mes frères et sœurs. Adieu, Jarik, cette île. Et merci. Nous venons de perdre le contact avec les bastions de garde. Tous nos soldats, leurs chefs... S'il prend le contrôle des bastions de garde, Coronet City tombera elle aussi. Les bastions la protégeaient, Corellia est perdue. Le désespoir nous conduira à notre perte. C'est en nous battant que nous aurons une chance de vaincre. Tu as raison. Nous devons réagir. Nous devons nous assurer que les bastions ne sont pas aux mains de l'ennemi. Si c'est le cas, seules tes forces pourront les reprendre. Nous ne vous décevrons pas, Maître Satil. Le bastion de garde 6 est le plus proche. C'est une grande usine de Walker. L'équipe du Général Aves peut aider à franchir l'opposition impériale pour l'atteindre. Je vais dire à nos alliés de nous rejoindre sur place, Jedi. Demande de l'aide à l'assistant du Général Aves, le caporal Hartke, pour franchir les lignes ennemies. Et que la force soit avec toi. Il faut sauver le bastion de garde 6. Si Sio, si le premier fils a déjà frappé, tu es notre seul espoir. Jedi, on était en route vers le bastion de garde 6, l'usine de Walker. Quand on a reçu un signal de détresse, c'est mauvais. Le bastion de garde 6 a été pris par l'ennemi, apparemment de l'intérieur. Les autres bastions de garde sont eux aussi tombés. Le premier fils a dit qu'il cachait ses frères et sœurs dans les bastions de garde. Mais je pensais qu'on avait plus de temps. On a eu un coup de chance. Un tout petit coup de chance. Apparemment, quelques soldats ont échappé au combat. Ils ont établi un petit camp. On pourrait vous y retrouver et mettre au point une stratégie. Dites à ces soldats que les renforts sont en route. En fait, je ne sais pas comment ils seront accueillis. On a essayé de contacter le responsable, mais il se montre réticent. Pouvez-vous vous dépêcher? Je vous ai prévenu. Reculez! Je ne vous laisserai pas gâcher d'autres vies. Comme je vous l'ai dit, on... Ah, Jedi, vous pouvez lui parler? Nous sommes des amis. Souvenez-vous. Un Jedi écoute d'abord et n'attaque qu'en cas de nécessité. Alors ces hommes sont avec vous, mais... J'avais du mal à y croire après ce qui s'est passé aujourd'hui. On a tous eu une mauvaise journée. Je m'appelle Jari Orez. Il ne reste plus que nous. Comme le dit Elan, on ne peut... jamais
Le conseil nous avait confié le bastion de garde 6 à moi et à mon ami Elan Calder. On se disait que ce n'était qu'un combat de plus à mener ensemble. Et c'était le cas au début. Vous pourrez continuer quand vous serez prêt. Merci, maître. Elan et moi, on passait les sentinelles en revue, on parlait et puis... il m'a attaqué. Pas avec son blaster, mais avec la force. Comme un Sith. Quand j'ai pu me relever, il était en train de tuer nos soldats. J'ai essayé de l'arrêter. Maintenant, le bastion de garde 6 appartient à l'Empire. Comment Elan a-t-il pu faire ça? Même quand on s'est battu, je n'ai senti aucune noirceur. Rien. Ce n'est pas votre faute. Elan était un agent dormant, envoyé par les Sith. Je ne pensais pas que cette situation pourrait être pire. Les Impériaux occupent l'usine principale. Ils produisent des walkers militaires. Ils construisent leurs renforts. Il faut qu'on arrête la chaîne de fabrication. Mais le bastion de garde 6 est une véritable forteresse. Il n'y a aucun moyen d'y accéder. Vous vous êtes enfui avec plein de blessés. Comment ? Au cours du combat, la jonction entre deux murs a explosé et a surchargé la grille de sécurité. Mais ils ont dû réparer la jonction maintenant. Si le mur a été endommagé pendant l'explosion, on peut ouvrir une brèche. Oui, vos forces pourraient ouvrir une brèche dans le mur et distraire les walkers. Vous pourriez alors entrer et arrêter la production. Mais vos soldats enregistreront de lourdes pertes. Plus vite j'arrêterai les chaînes de fabrication, plus vite ils seront en sécurité. J'imagine que les droïdes de Balmora savent quoi faire avec les walkers. En effet, ils perceront le mur pour vous, puis mettront ces walkers en pièces. Voilà les codes pour arrêter la chaîne de fabrication. Et, maître, Elan est encore quelque part à l'intérieur. S'il vous plaît, si vous le trouvez, essayez de l'aider. Que la force soit avec vous deux. Jedi, vous nous recevez? Nos droïdes sont entrés dans le bastion de garde 6. La production est arrêtée. Fini les walkers. Ne vous réjouissez pas trop vite. Les droïdes disent qu'une équipe de walkers impériales les a suivis et a activé des unités hostiles à l'intérieur de l'usine. Nos droïdes sont soumis à rude épreuve. Vous pouvez faire quelque chose? Informez les droïdes que des forces amies arrivent. Très bien. Je ne peux plus en envoyer dans les temps. Venez le plus vite possible. Je savais que vous viendriez. Jari vous a-t-il supplié à genoux de me sauver? Les Jedi ne sont que des rats. On en écrase un, et un autre prend immédiatement sa place. Jari était un ami loyal. Il s'est battu à vos côtés. Et m'a torturé avec ses pleurnicheries d'hypocrite incessantes. Je sais ce que vous avez fait à Blazus, Jelland et Sophia Farage. Je n'abandonnerai pas le bastion de garde 6 à un monstre tel que vous. Je n'y ai pris aucun plaisir. Ils ne m'ont pas laissé le choix. Pour ma part, je savoure chaque instant de ma mission. J'ai mis du temps à trouver le code de démarrage, mais ça en valait la peine. Je vais pouvoir venger mes frères et sœurs. Pas laisser le choix non plus.
sens qu'Elan Calder est tombé. Tes curiosités, toi, vous êtes doué. Mais la République est en train de s'effondrer. Tu prends une poignée de sable, Jedi, et il glisse entre tes doigts. Je sais que vous m'entendez, maître. L'empereur peut vous retenir, mais il ne peut pas vous détruire. Fascinant. Taran Sedrax, maître Satil, maître Jarik, ils savent qui vous êtes vraiment. Taran et Duras Vayn, mes amis, il y a des années. Assez. Sion, vous regarderez votre élève souffrir pour ça. Elan ? Non. C'est impossible. Pas comme ça. Je n'ai rien senti. Une seule journée ne peut pas changer toute une vie de bon travail. Il devait faire un avec la force. En fin de compte, qu'on soit dans l'obscurité ou dans la lumière, on fait tous partie de la force. Merci, maître. C'est gentil. Je pense que vous avez fait tourner la roue en notre faveur. Beaucoup de droïdes de Tekordan ont survécu au combat. Si on amène les blessés ici, et si on répare le mur, je pense qu'on pourra garder le bastion de garde 6 nous-mêmes. La République a besoin de ses troupes dans le parc de l'Axe. J'en déduis que la République prépare une grande offensive. Une autre de nos forteresses, le bastion de garde 4, est dans le parc de l'Axe. On nous a signalé qu'elle aussi est tombée aux mains de l'ennemi. La République prépare une attaque. Elle espère vaincre les impériaux et reprendre le bastion de garde 4 par la force du nombre. Maintenant que ce bastion de garde est sécurisé, notre place est dans le parc de l'Axe. Il y a une cachette de la République dans le parc de l'Axe, où vous pourriez tenir conseil. Je ferai passer le mot à nos alliés. Au revoir, maître. J'essaierai de bien protéger cet endroit. Vous avez réussi. Est-ce que la République a des informations sur le bastion de garde 4 ? On a de mauvaises nouvelles. Le bastion de garde 4 est encore pire que le dernier. J'espère que vous êtes prêts à entendre ce que je vais vous dire. Le bastion de garde 4 était autrefois un petit manoir, appelé le manoir de Bagvalen. Maintenant, il grouille de défenses, de tourelles, de champs magnétiques. Mais depuis que quelqu'un a trahi le bastion de garde 4 de l'intérieur, il protège l'ennemi. Si le traître est un autre enfant de l'empereur, le capturé pourrait nous permettre d'accéder au premier fils. Bibquet Jifmurst, Doni Gyandet Bizo Kayest. La République nous a donné des informations sur les défenses du bastion de garde 4. Elles sont solides. Tout d'abord, le bastion a un système d'alerte précoce. Des capteurs installés dans le parc signalent tous les ennemis en approche. Ensuite, un champ magnétique protège la cour. Et pour finir, la porte principale est en duracier, fermée par un système de sécurité complet. Ce qui nous fait des capteurs et un champ magnétique à désactiver, et une porte principale à déverrouiller. Le champ magnétique est un gros problème. Je ne vois pas comment le contourner. Jedi, si vous neutralisez les capteurs, les impériaux désactiveront le champ magnétique pour aller voir ce qui se passe. Une attaque surprise permettrait à nos armées d'échapper au champ magnétique. Alors, on a besoin, disons, d'une équipe rouge pour prendre en embuscade les impériaux qui sortiront une fois que le champ magnétique sera désactivé. L'équipe rouge doit être forte. Les impériaux ne vont pas se laisser faire. Le commando Voss sera parfait pour cette équipe rouge. Ils se battront bien. Il nous reste la porte principale. Une fois le champ magnétique désactivé, on pourra accéder au générateur d'énergie. On les désactive et la grande porte s'ouvrira. On devrait charger une équipe bleue de désactiver ces générateurs. Un petit groupe devrait suffire. La sécurité ne devrait pas trop donner de fil à retordre à vos droïdes. On peut en affecter quelques-uns. Les équipes auront besoin de votre aide. L'équipe bleue, d'une protection pendant qu'elle travaillera. L'équipe rouge, de soutien au combat. On a un plan. Quand vous aurez détruit les capteurs, allez au bastion de garde 4 pour aider votre équipe. Êtes-vous prêt ? Je suis prêt. Que la force soit avec nous. Maro Gialdias Matkzenki. Tuom Korskil Miestra Hulba. Et d'un. Et de deux. Et de trois. Et de 4.
et le 5. Forteresse de la République dans un monde de la République. Je vais la rendre à son propriétaire légitime. Même après avoir été invité à entrer par un des vôtres, nous sommes les gardes impériaux. L'empereur nous a choisis. Nous vivons et mourrons selon sa volonté. Et son premier fils assurera notre victoire. Je sais vos faiblesses, Jedi, et comment vous briser. La Force me soutiendra. Père n'a pas abandonné, et je n'abandonnerai pas non plus. Vous n'atteindrez jamais l'honorable fille. Les uns après les autres, vos amis de la République vous abandonneront. Tout est perdu, Jedi. Dit que vous étiez obstiné, mais j'espérais presque vous rencontrer. Veuillez excuser mon impudence envers une fille de l'empereur, mais vous ne devriez pas vous y risquer. Mais général, c'est l'occasion de parler au Barcentor en personne. Vous êtes un disciple du premier fils. Mon mentor était maître Siobhakarn, un maître Jedi œuvrant pour le bien. Et votre premier fils n'a rien à voir dans cette histoire. Il faut accepter les nouvelles alliances qui s'offrent à soi. Regardez-moi. Je n'étais qu'un vulgaire caporal de la République. Et puis, la voix de l'empereur m'a éveillée. C'est une seconde naissance pour moi. Le bastion de garde 4 est un présent bien insignifiant en comparaison. Si vous désirez vraiment apprendre, la voie des Jedi vous est ouverte. Vous me demandez de trahir ma nouvelle famille ? Je sais ce qui ferait plaisir à mon frère. Vous voir humilié. Il y a tant de choses que vous pourriez m'apprendre. Surtout si je vous laisse la vie sauve. Oh non, mais l'armure arrière impériale à faire chier. Ça c'était pas prévu ça. Vu que la cinématique s'est déclenchée en fait. Messieurs, parlons de l'accord. Position sécurisée. J'ai trouvé des gardes dignes de confiance. La grille de sécurité a été réparée. La garde impériale sera bientôt de retour. Vous ne survivrez pas à une autre attaque. Il nous suffit de garder cette position jusqu'à ce qu'on trouve le premier fils. On est prêt à être raisonnable, Jedi. Qu'est-ce que vous faites ? Merion, il vient de vaincre les gardes impériaux et un enfant de l'empereur. Réfléchissez un peu. On ne sait pas où se trouve le premier fils, mais il y a un bunker du gouvernement sous la place du Capitole qui nous a transmis nos ordres.
La République l'appelle le Bastion de Garde 1. Les Sith vous tueront pour ça, Gran. Après la trahison du gouvernement corélien, les conséquences d'une victoire de la République les feront réfléchir. Étant donné que deux bastions de garde ont été repris, les principaux responsables de Corellia doivent se cacher dans le bastion de garde 1. Le premier fils les y a sûrement rejoints. Votre aide sera récompensée, général. Il faut qu'on en soit sûr. Un membre du commando ira voir. Un des nôtres est encore mort à cause de toi. Tout cela est tragique. La perte de Darasha, tout comme ton échec. Un vrai maître Jedi aurait pu la ramener vers la lumière. Le premier fils ne parle pas pour vous, maître. Votre esprit vous appartient. Servez-vous-en. Tu fais honneur aux Jedi. Tu dois te battre. Et moi, je... Tais-toi. Des dizaines de mes frères et sœurs attendent. Même la meilleure flèche du chasseur ne frappe qu'une fois. Tu cours à ta mort. Laissez ces généraux à la République. Il faut qu'on s'occupe du bastion de garde 1. La place du Capitole grouille de soldats de la République et de l'Empire. Ils se battent tous. Aucun signe du bastion de garde 1. Un poste de contrôle de la République est tout près. Il pourrait nous aider. J'envoie la position à tout le monde. C'est vous le responsable, sergent ? Je dois trouver un bunker appelé Bastion de Garde 1. Des officiers de Corellia s'y cachent peut-être. Oh, oui, monsieur. Caporal, pardon. Sergent Rossiker, opération de la République. Vous avez dit un bastion de garde, monsieur. S'il y avait une voie d'accès à proximité, on nous l'aurait dit. Ça devait servir de forteresse à la République, mais l'ennemi se l'est approprié. Est-ce que vous avez d'autres informations au sujet du Bastion de Garde 1, monsieur ? Nous ne sommes pas une unité de combat, mais nous avons des ressources. Les officiers impériaux ont reçu des communications depuis l'intérieur de ce bunker. Alors le bastion de garde n'est pas totalement hermétique. Ils ont des contacts avec la surface. Bien, bien. N'importe quel signal venant de l'intérieur doit être brouillé, et ils ont le meilleur matériel qui soit. Mais notre équipement pourrait leur construire. Un dispositif de communication militaire devrait rapidement remonter le signal. Normalement, oui. On vient de relier les postes de communication de la place du Capitole. Monsieur. Ces points contrôlent et stimulent les signaux de communication. Mais les impériaux les ont tous pris hier, et personne ne peut les approcher. J'imagine que l'Empire a installé des gardes dans ces postes. D'après les rapports, la garde impériale monte la garde, et il y a un site avec eux. L'Empire sait que ces postes de communication sont importants. Ça va être un bain de sang. Je laisserai la plupart des postes de communication à mon armée, et je m'occuperai du reste. Certains des points de communication sont sur les toits. On mettrait trop de temps à les atteindre. Même vous, monsieur. On a assez d'Eshka pour s'occuper des postes sur les toits. Occupez-vous des autres. Monsieur, quand vous aurez repris les postes de communication, faites-les passer sur ce canal. Ça ne prendra que quelques secondes. On s'occupera du reste, quoique j'ai bien peur que vous n'ayez hérité de la partie la plus difficile. Je vous en prie, faites attention. Agent Rossiker au rapport. On est en train de trianguler le bastion de garde 1, monsieur. Veuillez patienter. Allez, oui, le voilà ! Monsieur, c'est notre meilleure estimation de l'emplacement de l'entrée à quelques mètres près. Et je vous conseille d'y aller le plus vite possible. Nos rapports sur cette zone sont mauvais. Ce qui en vaut la peine n'est jamais facile. On dirait que les impériaux essayent de barricader le bastion de garde 1, monsieur. Désolé, je ne peux rien faire de plus. Vos hommes et vous, vous nous avez déjà beaucoup aidés, sergent. Merci, monsieur. Bonne chance. Sergent Rossiker. Vous aviez juré que cet endroit était sûr, Nadien. Ce n'est qu'un contretemps, monsieur. C'est un Jedi. Il saura se montrer raisonnable. Je sais que le premier fils est ici. Il ne nous appartient pas d'aborder ce sujet. Si vous êtes venu nous accuser d'avoir vendu Corellia à l'Empire, vous perdez votre temps. Jedi, essayez de comprendre. Nous sommes tous conscients que ceci est regrettable. Mais nous essayons de gagner du temps. L'Empire nous donnait l'occasion de sauver Corellia et ses habitants. Et ces mêmes habitants risquent de tout compromettre en résistant. Vous avez vendu leur foyer à l'ennemi. À quoi vous attendiez-vous au juste ? Pourquoi est-ce que personne ne comprend ? Le profit et la sécurité ou la destruction ?
C'est pourtant évident. Je n'ai aucune obligation de négocier avec vous. Il nous suffit d'attendre ici que l'Empire nous envoie des renforts. Des renforts. Oh, veuillez m'excuser. Vous n'êtes pas celui que vous prétendez être, n'est-ce pas? Vous le sentez à travers ce corps insignifiant? Oh! Non, vous! Vous êtes l'un des leurs! Les paroles de l'Empereur rendent les choses limpides. Le premier fils triomphera et vous mourrez! Et plus. Men jetzke fulpa, ge galjestenti. Conseiller Sayak était un des enfants. Et si j'en étais un, moi aussi? Si j'étais sur le point de devenir une marionnette Sith? Quand le premier fils arrêtera de cacher ses frères et sœurs, tous les enfants seront démasqués. Le premier fils, vous pouvez l'arrêter et tout ira bien, n'est-ce pas? Je serai en sécurité. Un passage s'enfonce dans les grottes creusées sous Coronet City. Le premier fils y est allé, dans notre dernier sanctuaire. On n'a pas assez d'hommes pour lancer une nouvelle attaque. On peut à peine s'occuper du bastion de garde 1. S'ils envoient des renforts, on est perdu. Arrêtez-le maintenant. Bloquez les portes et retirez-vous là-bas. Ne vous battez pas, sauf si c'est nécessaire. Compris? Je comprends. Nos hommes vous feront gagner le plus de temps possible. Mais on devra peut-être se retirer. Si vous réussissez, rejoignez-nous au vaisseau. C'est quand vous voulez, Jedi. Quoi qu'il se passe, ça a été un privilège de tous vous connaître. Parfait. Du coup, elle a plus Thierry. Je parlais pas point cinématique, tout ça, bien évidemment. Je suis en train d'enregistrer. Ouais, let's go. Je te félicite, Jedi. Ton courage et ta force d'âme sont remarquables. Personne n'a jamais fait ses preuves devant moi. Vous serez bientôt libre, maître. Je vous le promets. Tenez bon. Je t'en prie, Jedi. Si Yoa a trouvé sa place, je crains qu'il n'ait pas ta force. L'apprentissage de la technique de protection a été une autre preuve de ton esprit fascinant. Mais tu as choisi de sauver le Seigneur Vivicar au péril de ta vie. Intriguant. Qu'est-ce qui vous a intrigué? Tu as montré que tu pouvais accepter la défaite. Je ne pensais pas que tes épreuves te rendraient aussi puissant. Mais cette erreur de calcul si soudaine, ça ne te ressemble pas. Tu
Tu n'aurais jamais dû venir ici sans la protection de ton armée. Ta perte détruira l'Alliance du Rift et la République s'écroulera. C'est la peur, et non la guerre, qui conduira la République à sa chute. Elle saura que les enfants sont toujours là, protégés par ma volonté, et qu'il n'y a plus d'espoir. Je me laisse guider par la force, et j'accepte les conséquences de mes actes. Quel esprit! Si tu avais été des nôtres, rien n'aurait pu t'arrêter. Mais il est trop tard. Je ne peux pas te laisser vivre. Let's go. Il y a une façon spéciale de vaincre, du coup. C'est comme l'empereur. Dès qu'il arrive midlife, on ne peut plus rien le faire. Commence. Je peux rien faire, il me bloque en l'air. Je crois que je l'ai eu. Le fait de l'avoir envoyé valdinguer, ça l'a empêché de faire son truc. Oh yeah, je l'ai eu. Putain. Dis-moi pourquoi, Jedi, je suis différent de tous les hommes de la galaxie. Pourquoi me détruire? Vous n'êtes pas uniquement le premier fils de l'Empereur. C'est cette autre partie que je dois sauver. Partie? Il est... Il... Maintenant, Maître Sio. Pendant qu'il est affaibli, prenez le contrôle. Et démasquer les autres enfants. Je ne te laisserai pas. C'est moi qui ne vous laisserai pas faire, premier fils. Je sais qui je suis. Je suis Siyu Bakar. Je suis un maître Jedi. Et vous avez perdu. C'est fait. Le bouclier est brisé. La dernière protection des enfants a disparu. Vous n'avez plus rien à craindre. Votre cauchemar est terminé. Non. Il est toujours là, enfermé, mais éveillé, comme vos Eshka. Je ne me suis jamais douté de rien. Combien de personnes sont mortes à cause de mon ignorance? Vous ne pouvez pas oublier tout le bien que vous avez fait en tant que Jedi, alors que vous aviez cette noirceur en vous. J'ai une tâche à accomplir.
Le premier fils ne pourra plus échapper à mon contrôle. J'y veillerai, avec l'aide du conseil. Et sans pardon. Je serai toujours là si vous avez besoin de moi, Maître Sio. Je vois que je n'ai plus grand-chose à t'apprendre. Je devrais rester ici pour récupérer, loin de tout le monde. Et merci de t'être battu quand je ne le pouvais pas. Tu devrais y aller. Corellia et ta République t'attendent. Heureuse de vous revoir en vie, Jedi. Nous le sommes tous. Quand le bouclier du premier fils a cédé, nous avons soudain senti tous les enfants de l'Empereur. Leur noirceur est comme un cri. Ils ne pourront plus se cacher. Et pourtant, nous n'avons pas senti la mort du premier fils. C'est étrange. Il n'était pas nécessaire de le tuer. Maître Sio a brisé le bouclier et nous est revenu. Tu as vaincu la volonté du premier fils de l'Empereur. Incroyable. Si Sio est en vie, nous devons le ramener sur Titan. Immédiatement. Êtes-vous sûr que ce soit une bonne idée, Satil? Sio risque d'être condamné à maîtriser le premier fils et à accepter ce qu'il a fait. Il a besoin de vous. Il aura toute l'aide que nous pourrons lui offrir. Les enfants de l'Empereur fuient. Les impériaux n'ont plus de chef. Les forces de la place du Capitole sont en déroute. La République doit encore se battre. Mais maintenant que les bastions de garde ont été repris, on a une prise solide. Il va falloir des années avant que l'Empire puisse organiser une nouvelle attaque comme celle-ci. Et sans les enfants de l'Empereur, nous avons la possibilité de tout reconstruire sans crainte. Malheureusement, il a fallu élire un nouveau chancelier suprême. Nous devons l'informer de ces derniers événements. Apporte ton aide aux combattants sur Corellia, puis rejoins-nous sur Coruscant. Est-ce qu'il y a une chance pour que je puisse utiliser le système de communication longue distance pendant une heure environ? Vous essayez de joindre quelqu'un? En quelque sorte. Je veux entrer le docteur de Milo dans la base de données de la République. J'ai beau regarder son image, ça ne donne rien. J'espère y trouver quelque chose à son sujet ou au sujet de sa boîte lumineuse. J'y suis presque. Je peux presque la voir dans mon sommeil. Tâchez de ne pas devenir obsédé par cette femme. Je ne suis pas obsédé. C'est important. S'il me fallait un jour de plus pour me souvenir... Écoutez-vous, vous perdez le sens des réalités. Vous ne comprenez pas. Cette capture a gâché la vie de Milo et détruit ma carrière. Je ne serai jamais plus qu'un lieutenant. Je mérite de savoir pourquoi. Je sais que vous essayez de me protéger, mais mettez-vous à ma place. Je dois saisir cette chance. L'image du docteur n'a toujours rien donné. Il est peut-être temps que je reconnaisse mon échec. C'est à vous de juger. Je continuerai à la chercher, mais je ne veux pas non plus devenir comme Milo. Son image est dans la base de données de la République. Je vais effacer ma copie. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai une bonne place ici. Je ne veux pas que le passé vienne tout gâcher. Je me demandais... Vous avez pris part à de grandes batailles? Hormis celle de Hoth, bien sûr. Le rôle d'un Jedi n'est pas tant d'être aux premières lignes que de tout faire pour éviter que le combat n'ait lieu. Mes états de service ne sont pas spectaculaires, mais j'étais présent lors de l'invasion de 8 heures. J'ai vu les impériaux repartir la queue entre les jambes. J'en suis fier. Mais ce que nous faisons me semble plus important, même si les historiens n'en sauront jamais rien. Vous savez vous battre avec style? On dirait qu'il y avait quelques livres de combat au milieu de vos textes historiques. Il y a de la poésie et de la logique dans le combat. J'ai l'habitude de me battre en groupe. Les redéploiements constants m'ont appris à synchroniser mes mouvements avec ceux de la personne qui est à mes côtés. Vous connaissez vos tactiques, mais vous vous fiez aussi à votre instinct. J'ai adapté mon style pour qu'il corresponde au vôtre. Les impériaux y réfléchiront à deux fois la prochaine fois qu'on sera dos au mur. Vous n'allez pas me croire. Vous vous souvenez de la boîte lumineuse dont m'a parlé Milo? Et du médecin qu'il pourchassait? Eh bien, ce médecin existe bel et bien. Elle m'a envoyé un message. Lieutenant Uresso, je suis le docteur Sera Frey. J'ai appris que vous me cherchiez. J'ai fui l'Empire.
Vous m'avez mise en grave danger, mais j'imagine que vous n'abandonnerez pas tant que vous n'aurez pas eu de réponse. Je suis responsable de l'instabilité de Milopelam et de vos souffrances. Je ne pouvais pas m'opposer aux ordres d'un Dark. On dirait que les Sith ne sont pas étrangers à cette affaire. Le seigneur Sith que je servais, Dark Uzal, est un grand érudit. Même le Conseil Noir le consulte. C'est un spécialiste des holocrons anciens. Qu'est-ce qu'un holocron ? C'est un engin holographique que les Jedi et les Sith utilisent pour conserver des savoirs anciens. Le Conseil Noir a demandé à Dark Uzal de déchiffrer un holocron rare. Mais Uzal a voulu garder pour lui seul les savoirs qu'il renfermait. Son plan était de copier l'holocron dans l'esprit d'une personne. La matrice d'un holocron est bien trop complexe pour être reproduite dans un esprit. Dark Uzal a réquisitionné deux prisonniers de l'Empire. Vous, lieutenant Iresso, et votre ami. La procédure initiale a été imparfaite. L'esprit de Milopelam a craqué sous le poids de tant de connaissances. Mais vous avez été un franc succès. Un franc succès ? Elle a caché une bibliothèque Sith dans ma tête. Le docteur Frey a dû trouver un moyen d'empêcher votre conscience d'accéder aux données de l'holocron. N'importe quel Sith tuerait pour s'emparer des données de cet holocron. Mais à moins de le leur révéler, aucun d'entre eux ne sait que vous les détenez. Je vous ai dit la vérité. Maintenant, je vous prie de retirer mon portrait de la base de données de la République. Il en va de ma survie. Lieutenant Félix, c'est bien votre nom. Je suis désolée. Elle me demande d'assurer sa survie. Elle a un sacré sens de l'humour. Manifestement, elle regrette ce qu'elle a fait. Faites preuve de la compassion qu'elle n'a pas eue, et aidez-la. Le docteur Frey a de la chance qu'un Jedi me serve de conscience. Très bien, je retirerai son portrait. Veuillez m'excuser, j'ai besoin de réfléchir. Ça doit être une véritable torture pour vous, non ? Une bibliothèque de connaissances anciennes dans ma tête, et aucun moyen d'y accéder sans que je devienne fou. Les enseignements de fous, de meurtriers ou de vieux fantômes irascibles ne m'intéressent pas. Rien que vous n'ayez envie de venir chercher, donc. C'est bon à savoir. Ça ne me plaît pas. C'est un risque énorme pour nous deux. Mais j'ai ce savoir en moi depuis des années, et je l'ignorais. Et puis, si les choses tournent mal, votre expérience pourra m'aider. Je serai toujours là si vous avez besoin de moi. Je ne pense pas que le commandement de la République change d'avis si je leur en fais part. Ma carrière n'avancera pas plus. Et alors, vous avez une cause qui mérite qu'on se batte pour elle. Je veux m'en sortir. Il faut que je vous parle. J'ai reçu une lettre de Milopelam. Il radote un peu, mais dans l'ensemble, il a l'air d'aller mieux. Sa lettre contient des informations sur l'endroit où nous avons été retenus prisonniers. Il veut que je les transmette au SIS, mais c'est... disons que ça n'a aucun sens. Que ça vous semble sensé ou non, Milo détient peut-être des informations utiles. Je suis sûr que le SIS serait intéressé. Vous avez raison. Milo tente de redevenir un soldat. Je devrais le considérer en tant que tel. C'est déjà encourageant qu'il soit en mesure d'écrire. Il y a peut-être encore de l'espoir pour moi aussi. Les réfugiés sont de retour sur Balmora. Ils sont arrivés juste avant que l'élection du chef de l'opposition commence. L'opinion publique de Balmora a vu ceux qui ont collaboré enchaîner. J'ai reçu plein de messages encourageants pendant l'élection. Ces réfugiés méritent d'avoir une chance de prouver leur innocence. Ce n'est pas mon problème. Il faut que je pense à mon avenir. Les résultats sont là. J'ai gagné. Nalan Fiskin a perdu. Je suis le chef de l'opposition. Un siège au gouvernement, tout, c'est... bien. Si vous êtes le chef de l'opposition, ne devriez-vous pas retourner sur Balmora ? Non. Je peux travailler à distance, jusqu'à ce que vous ayez fini de vous balader dans la galaxie. Je voulais vous remercier pour votre aide. Je n'aurais pas gagné sans vous. Oh, et les journaux de Soleil Gris. J'ai mis deux coups de blaster dans le bloc de données. Je les ai détruits, comme le voulait Soleil Gris. Je suis content que vous ayez choisi de respecter son souhait, finalement. J'arrête de vivre dans le passé. Le futur, c'est ce qui compte. Le futur de Balmora est le mien. Le
Non seulement tu forces Veneb à te confronter, mais tu le fais en mettant la loi de ton côté. Bien joué. Si Veneb refuse de se rendre calmement, que se passera-t-il? À votre place, je me soucierai moins de perdre mon temps que de ce que les anciens Trandoshans penseront de ce que vous avez fait. Tout ça n'est qu'un mensonge, mais d'une façon ou d'une autre, un Wookiee y était mêlé. En vous servant, vous avez fait mourir des dizaines de Trandoshans, et vous en avez mis beaucoup d'autres en danger. Il n'y a que lui qui crève, les autres on les laisse en vie. Veneb était un imposteur et un meurtrier. En le suivant, vous n'auriez fait que rejoindre le côté obscur. Ils ont besoin d'être guidés, Kaizen, et tu pourrais leur apprendre beaucoup de choses.
réfléchis. Tu pourrais leur apprendre à chasser honorablement, à servir la gardienne des points. Tu aides ces Trandoshans à trouver un avenir meilleur. Ne t'inquiète pas. Tu es intelligent, capable et très attaché à ta culture. Il ne pourrait espérer meilleur modèle. Tu fais honneur à ta déesse, Kaizen. Elle t'accordera peut-être des points pour ça. Jedi, Holiday et moi avons quelque chose à vous dire. Je crois que je ne vous ai jamais vu aussi sérieux. On s'est plutôt attaché à cette vie d'aventure. On a donc décidé de rester avec vous. Pour une durée indéterminée. Et ma durée de vie est suffisamment longue pour que je puisse veiller sur vous et sur tout plein de petits Jedi. Merci beaucoup à vous deux. Où que vous alliez, vous pourrez toujours compter sur Holiday et sur moi. C'est promis. On peut parler ? J'ai fait un rêve. J'étais sur le vaisseau où Père est mort. Les couloirs continuaient sans fin. Père m'appelait, mais je ne le trouvais pas. Tout ce que j'ai perdu. J'ai beau méditer et étudier, la douleur est toujours là. Mon entraînement ne devrait-il pas m'apaiser ? Votre entraînement a pour but de vous aider à maîtriser vos émotions, pas de vous en défaire. Je pensais que ça m'apporterait calme et sérénité. Que plus rien ne pourrait m'atteindre. Ce n'est pas facile de devenir un Jedi, n'est-ce pas ? J'ai reçu des nouvelles à propos du spatioport. Vous vous souvenez ? Ils voulaient démolir les ruines de l'annexe pour le construire. Certains n'ont pas apprécié, mais je crois que c'est réglé maintenant. Je n'en reviens pas qu'ils m'aient vraiment écouté. Je me sens comme une diplomate maintenant. Malgré ma formation, je n'ai toujours pas l'impression d'être un Jedi. Les compétences en matière de négociation et de résolution des conflits sont essentielles. On ne peut pas tout régler au sabre laser. Je le sais, mais il n'y a pas que ça. Je veux suivre la même voie que vous. Allez sur Titon. Voir le temple Jedi, marcher dans les pas des Jedi d'antan. Je ne partirai pas longtemps, juste le temps d'explorer, bien sûr. J'ai toutes vos cartes sur l'ordinateur du vaisseau. Je suis prête. Un séjour sur Titon vous sera bénéfique. Oh, merci, merci. Je vais tout de suite préparer mes affaires. Vous êtes le meilleur. Enfin, je vous suis très reconnaissante, maître. À bientôt. Titon n'est pas du tout comme je l'imaginais. C'était encore plus beau que je ne pensais. Si paisible et sauvage à la fois. J'y ai senti quelque chose de fort. Comme si le premier Jedi à avoir quitté l'ordre y avait laissé une part d'ombre. Dites-moi ce que vous avez appris de ce séjour sur Titon. Je l'ignore. J'ai discuté avec d'autres Padawans. Je suis bien plus avancée dans mon entraînement que certains d'entre eux. On m'a même posé des questions. Sur Titon, c'est comme si mes pouvoirs trouvaient écho dans les enseignements Jedi. Je m'y sentirais chez moi, même si je n'étais pas votre Padawan. Merci de m'avoir laissé y aller. Je ne l'oublierai jamais.
Que pensez-vous de mes progrès ? L'entraînement des Jedi se juge sur plusieurs années, mais vos débuts sont très prometteurs. J'en étais sûre. Je me sens différente, plus en accord avec moi-même. Jamais je n'avais atteint un tel degré de contrôle. C'est fantastique. Je veux aller encore plus loin. Écoutez ça. Une femme de ma planète m'a demandé conseil. D'après ses dires, son fils serait sensible à la Force. Elle m'a demandé ce qu'elle devait faire pour lui, mais je ne sais pas quoi lui répondre. Elle semble penser que j'ai réponse à tout. Contrairement à la connaissance, l'entendement n'est pas sans limite. Ah, je vais finir par parler comme ça, moi aussi. Bon, je vais lui dire que j'y réfléchis. Je finirai bien par trouver quelque chose. J'ai bien réfléchi. Et je me suis dit que c'est le meilleur poste que j'ai jamais eu. Qu'y a-t-il à l'opposé ? Une rotation de 5 semaines sur un planétoïde qui sentait les égouts. Mais je m'égare. Je veux que vous sachiez que je serai avec vous jusqu'au bout. Quelle qu'en soit l'issue. Je préfère être votre lieutenant plutôt qu'un colonel de la République. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, je suis avec vous. Vous avez déjà pensé à l'avenir ? Par exemple, où est-ce que vous aimeriez vivre une fois la guerre terminée ? Je serai toujours chez moi dans le temple Jedi. Les gars sur Hoth parlaient toujours de rentrer à la maison. Mais ma maison, à moi, c'est un camp de réfugiés fermé depuis des années. Et puis, pourquoi se limiter à une seule planète ? Il y a tant de choses à voir. Ce sera peut-être ça, ma retraite. Je troquerai mon blaster contre un vaisseau et je parcourrai la galaxie. En supposant que les données Sith que j'ai dans la tête ne me jouent pas des tours. Si jamais ça tourne mal, je suis sûr que nous trouverons un moyen de vous aider. On trouvera une solution, comme toujours. C'est bon de savoir qu'on a quelqu'un sur qui compter. Je voulais vous dire, j'ai apprécié de travailler avec vous. Mes camarades survivent rarement aussi longtemps. Je suis ravi d'être l'exception qui confirme la règle. Ouais, moi aussi. Bref, je voulais juste vous dire que j'ai confiance en vous. Alors, je ferais mieux de ne pas m'éloigner, de vous garder en vie. Les gens dignes de confiance ne courent pas les rues. Je pensais à ma planète. L'entraînement m'a aidé à être honnête envers moi-même. Je ne vais pas y retourner. Je serai leur représentante. Mais il m'est impossible d'y vivre après tout ce qui s'est passé. J'ai pris ma décision. Vous m'avez donné une nouvelle vie. Je veux juste continuer de découvrir la galaxie et d'apprendre avec vous. C'est le genre de comportement qui vous permettra peut-être de siéger au sein du Conseil un jour, voire même davantage. Je vous consacrerai un paragraphe ou deux dans ma biographie. Allez ! Nous avons du pain sur la planche, alors ne perdons plus de temps. Pendant que vous vous battiez là-bas, j'ai ressenti tout ce que vous sentiez. C'était comme si je partageais votre arme et vos blessures, tout en restant moi-même. Parfois, un maître et son padawan tissent des liens si forts que la force coule en eux comme dans un seul être. J'ai lu quelque chose à ce sujet, mais c'est très étrange à vivre. Ce n'était pas désagréable, juste étrange de se sentir connecté à la force à deux niveaux différents. Ça ne me déplairait pas de le ressentir de nouveau. Venant de toi, je prends ça comme un compliment, Kaizen. C'est une grande bonté. Je ne sais pas quoi dire.
Mesdames et messieurs du Sénat, je vous présente le Bar Centaure de l'Ordre Jedi et défenseur de l'Alliance du Rift. En tant que chancelier suprême, j'ai demandé l'ouverture du protocole spécial afin de veiller à ce que l'Alliance du Rift soit récompensée comme il se doit. Plusieurs milliards de crédits pour la reconstruction, l'accès privilégié aux nouveaux itinéraires hyperspatiaux, un soutien étendu pour vos armées. Et ce n'est que le début. Merci, chancelier suprême. Nous n'avons fait que notre devoir. Les ressources des mondes du noyau ne sont pas extensibles, mais nous ferons en sorte de satisfaire à toute demande de votre part. Auguste Voix et ses hommes méritent de faire partie de la République qu'ils ont défendue. Mirengebres, Biestiara, Kadristia. Vous et vos hommes avez plus que prouvé votre valeur. Hé, hé, hé! Et les commandos Vos et Gadenko. Les commandos seront honorés. J'espère que les nouveaux Jedi viendront sur Vos pour apprendre. Les mystiques peuvent enseigner. Les mystiques pourraient considérablement étendre nos connaissances sur la Force. Nous ne devons pas exposer n'importe qui aux idées Vos. Une seule Force. Les Jedi connaissent les côtés lumineux et obscurs. Les mystiques connaissent le côté gris, la charnière entre les deux. Nous pouvons enseigner. L'Alliance du Rift n'a plus besoin d'être surveillée quotidiennement, mais il leur faudra un porte-parole au sein du Sénat. Une personne représentant votre autorité. Mais, chancelier suprême, ce serait un honneur. Dommage, moi j'aurais bien nommé la... moi j'aurais bien nommé la... Ma Padawan en fait, simplement. Duin a une influence apaisante. Il serait idéal pour nous représenter. Ce n'est rien comparé à votre grande victoire. Et pourtant, vous n'avez encore rien demandé pour vous. Votre dévouement pour le côté lumineux et vos talents de diplomate font de vous la personne idéale pour occuper le siège vacant du Conseil Jedi. Pour moi, ce siège appartiendra toujours à Sio Bacarne. Sio ne pourra plus jamais siéger au Conseil Jedi. Mais il serait fier de savoir que son siège est occupé par une personne digne de confiance. Mais ce n'est qu'une maigre récompense à côté des services que vous nous avez rendus à tous. Nous avons tous souffert sous les assauts impériaux. En plus d'avoir survécu, nous avons grandi. La République entre dans une nouvelle ère. Dans la victoire, nos valeurs, la justice, la compassion, l'égalité, prennent encore plus d'importance. Nous pouvons malgré tout nous enorgueillir de notre victoire, Jedi. Taran, chut, je veux enregistrer ça. Finalement, ce succès nous appartient à tous. Espérons que cet esprit de coopération se poursuive. Merci. Que la Force soit avec vous, à jamais.